Un an en moins. On plaisantait les fans d'Elizabeth Hurley qui célébraient, samedi 10 juin, son 58e anniversaire. Auprès de ses proches, la Britannique a, une nouvelle fois, étonné tout le monde par sa forme physique dans une série de photos postées sur Instagram. Tant et si bien qu'en prenant la pose aux côtés de Damien Charles Hurley, son fils unique âgé de 21 ans, l'ancienne compagne du regretté Steve Bing aurait pu passer pour une amie de la star de The Royals. Mais l'air de famille prononcé entre mère et fils a achevé de dévoiler le lien de parenté. Dans un bikini blanc, Elizabeth Hurley a fait sensation, dévoilant un corps sculpté et entretenu. Son fils, Damien Hurley, n'était pas en reste et posé torse nu, avec rien d'autre qu'un jean taille basse. Pour la Britannique, les célébrations se sont poursuivies sur plusieurs jours, et avec plusieurs tenues. L'actrice de Gossip Girl est apparue dans une combinaison à décolleté plongeant et posant à côté de deux silhouettes en carton à son effigie, portant deux looks ultra glamour. À sa gauche, Elizabeth Hurley avait revêtu une robe du soir rose fuchsia à col roulé et ajourée aux épaules, les bras habillés de volant. À sa droite, la Britannique arborait un power suit blanc, au décolleté prononcé et aux jambes évasées. Supérieur à demi-mot, Iris Law, Elizabeth Hurley et son fils Damien lors de la soirée Versace Fendi. Pourquoi Elizabeth Hurley pose-t-elle toujours en maillot de bain? Sur Instagram, Elizabeth Hurley suscite l'admiration de sa communauté. À 58 ans, la Britannique affiche un corps de rêve qu'elle n'hésite pas à dévoiler dans des séries de photos où elle pose volontiers en maillot de bain. Mais, puisque toute célébrité a ses détracteurs, la star d'Austin Powers s'attire parfois les foudres du public, qui lui reprochent un manque de modestie. Des remontrances auxquelles l'actrice de Gossip Girl s'est empressée de répondre « J'ai ma propre ligne de maillot de bain. D'habitude, je ne me pavane pas dans autant de petites tenues. Et pourquoi payer un mannequin quand on peut soi-même porter ses créations ? Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran Instagram @elisabeth_sur_les_1.